Et un petit chocobo. Coucou Apple. Ça se réveille. Tranquille là aujourd'hui, tu bosses pas, on est d'accord. Il me semble que t'es tranquille. Ah bah c'est bien. Les nains dorment encore, t'as un peu de répit. C'est parti pour l'histoire, hein. Chapitre 4.1 De l'eau douce en mer voilée. Coucou Panthère, comment ça va? Ici Océania, heureuse de vous retrouver. Je vais vous assister tous les deux pendant cette plongée. Dans cette zone, vous trouverez toutes sortes de créatures que l'on croise d'ordinaire dans les rivières, lacs et marais. Le taux de salinité de la mer voilée varie selon les zones. On y trouve de l'eau de mer, de l'eau saumâtre et de l'eau douce. Je vois. On dirait que la faune locale c'est plutôt bien adaptée en tout cas. En effet. Mais inutile d'attendre plus longtemps si vous êtes prêts. Allons voir tout ça de plus près. Oh ça va, c'est cool. C'était ton anniversaire à toi ? Escape game, j'ai jamais fait, mais je pourrais pas, je crois. Je serais pas à l'aise. Je serais vraiment pas à l'aise. En jeu vidéo, ça me dérange pas, mais en IRL. De Commerson. C'est un dauphin de Commerson. Alors en mode histoire, même si je connaissais déjà, parce qu'on s'est retrouvé bloqué sur un chapitre, heureusement il y a une personne qui avait fait jeu qui nous a aidé à nous débloquer. En fait, il faut savoir qu'en histoire, même si, enfin, genre en général, quand vous scannez les bestiaux, bah si vous les avez déjà, vous n'allez pas faire une loupe dessus, on va dire, parce que vous les avez déjà. En mode histoire, faut le faire sur chaque parce que, en fait, si vous faites pas ça, si vous zoomez pas sur le poisson qu'il faut pour la quête, vous pouvez pas avancer. Et on s'est retrouvé bloqué un coup comme ça. Que je le rappelle. Jamais vous êtes bloqué dans le jeu. Dans l'histoire, ça doit être lié à ça. Il semble souffrir de comme là, par exemple, fallait zoomer sur lui alors que j'avais peut-être déjà. Peut-être qu'il a été séparé de son groupe et qu'il n'arrive pas à subvenir seul à ses besoins. Vous avez raison, nous ne devrions pas le laisser dans cet état. Essayez de faire en sorte qu'il nage en votre compagnie pour le conduire jusqu'à son groupe. Ah, alors pour faire nager, voilà, il nage avec vous, avec nous. Parfait, il vous suit.
Maintenant, essayons de retrouver ses congénères. Après, vous pouvez faire en sorte que les poissons vous suivent. Vous appuyez sur la touche plus, vous voyez en haut. Et moi, j'ai débloqué 90 points parce que j'ai monté de rang. Chaque poisson a son nombre de points. Bon, un dauphin, normalement, c'est plus que 10 points. Mais là, c'est parce que c'est la quête. C'était pour être sûr que les gens puissent faire la quête. Mais plus le poisson est grand et plus... Il demande 2 points. Et du coup, il nous suit normalement. Voilà, il nous suit, nage avec nous. Oh, un esturgeon, trop bien. Bon là, théoriquement, il n'y a pas marqué explorer, donc théoriquement, j'ai pas besoin de zoomer sur les poissons. Juste amener le dauphin. Regardez. Il y a un groupe de dauphins de Commerson. Oh, c'est trop mignon. Il a retrouvé ses copains. Le pauvre vieux, il s'était retrouvé tout seul. Il sera sûrement mieux avec ses potes. Ensuite, je vais y aller, on m'attend à la surface. Daniel, soyez prudent lors de la remontée. Je vous propose de continuer encore un peu l'exploration. Non, Daniel, il nous a abandonnés. Oh, Daniel! Il nous abandonne pas, Daniel. Regardez-la. C'est notre mascotte. C'est une écriture ancienne. Sans doute une inscription Oannès. Analyse en cours. Quand de la mer, les eaux se verront tourmentées, les défis de la table vous devrez compléter. Les défis de la table? C'est sans doute une référence à la table des mystères. Il s'agirait donc d'une sorte de test qui nous aurait été transmis par les Oannès. Il y a d'autres inscriptions. Ô vous, enfants de la mer, accomplissez la prophétie, faites résonner vos prières en un accord d'harmonie. Ce texte semble être une sorte de message laissé par le peuple Oannès. Il pourrait s'avérer capital pour la suite. Je l'ai photographié. Vous pourrez vous y référer ultérieurement si besoin. C'est une découverte importante. Et nous ne l'aurions jamais faite si vous n'aviez pas aidé ce dauphin de Commerson. Peut-être que c'est en prenant soin des créatures qui y vivent que nous lèverons le voile sur les mystères de cette mer. Et voilà, chapitre terminé. Alors les chapitres sont très courts. Et il faut beaucoup de temps pour les débloquer. C'est pour ça que pour moi l'histoire c'est vraiment un plus. Si vous aimez pas juste vous balader sous l'eau, ou si vous voulez que l'histoire, n'achetez pas le jeu. Clairement pas. Mais je trouve que c'est un petit plus sympathique. Il y a encore eu un clip. C'est le même que avant que t'as reposté. Ne pars pas Daniel. Ne me quitte pas. Ah, faut faire 8000 points maintenant. Pour un chapitre 4-2. C'est parti. Plongeons en solo. On est à 66%, 52%. C'est pas mal hein, en vrai. Pas mal du tout. Jour 18. Alors, du coup, faut qu'on retourne là-bas. Le problème c'est comment on a commencé par haut, bah on atterrit toujours hein. En haut.
Mais bon, on a fait quand même de grandes avancées tout à l'heure. Parfait. On va juste aller continuer là-bas. Je rappelle, hein, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne la semaine prochaine, j'aurai vraiment besoin de vous en ninja. Normalement le vendredi et un peu le jeudi en fin de stream. Et vous verrez sur le planning, ça sera Shaky Licorne, à l'emote de la chaîne. Donc si jamais. Ceux qui ne peuvent pas vraiment mettre le ninja souvent, si ce jour-là vous pouvez, ça serait fantastique. Alors je peux pas trop encore. Enfin. Je parle pas encore trop de ce qu'il va y avoir, mais c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière, un événement particulier. Mais j'attends d'avoir toutes les infos, j'ai pas encore tout. On va dire que cette année c'est un peu le bordel leur organisation comparé à l'année dernière. Mais alors c'est pas un truc caritatif, attention. C'est un événement mais pas caritatif. J'ai trop hâte parce que j'avais vraiment kiffé l'année dernière. Forcément, plus il y a de monde en fait, et plus j'ai de chances que l'année prochaine, enfin plutôt en fin d'année, parce qu'il y en aura un autre en fin d'année, ben, on me repropose tout simplement faire une autre édition. Que si jamais vous pouvez être là, c'est cool. Ah, merci Apple. Bon, après, ça devrait vous plaire. Ça vous a plu l'année dernière, normalement, ça devrait vous plaire cette année. Hein. Vous aviez bien kiffé l'année dernière. Oui, on est bon aussi pour faire le 5. Il faut faire beaucoup beaucoup de points. Je sais pas si on pourra faire un chapitre de plus aujourd'hui pour vous dire. C'est très long hein, de débloquer un chapitre. Hein. Il faut plusieurs heures. Hein. En plus, c'est pas des chapitres entiers, c'est des points 1, point 2. C'est vraiment un... très 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 long. GG Floé Cartapus niveau 69. Eh, meilleur niveau, allez. Ça se fait plaisir, allez. Ah bravo. Ouais, moi je suis bonne sœur. On m'appelle sœur Shaky. Je suis pareil, je suis tout pareil. C'est bizarre, hein, personne ne me croit à chaque fois. Je sais pas comment je dois le prendre.
Ah bah c'est bon, j'ai fini là. Un jour on me croira. Un jour j'arriverai à le faire croire à quelqu'un. Bonne nouvelle, grande taille ou quoi? Ah, nouvelle taille maximale. C'est pas mal. Je pense qu'on est bon ouais, pour faire 5-6. À mon avis, il faudra peut-être me faire plus. Après, vous pouvez recommencer une carte quand vous voulez, mais bon, j'essaie de faire. Ah, on a une quête ici. Demoiselle Nacrée. Qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Alors, ça, c'est. Faut nager, faut ramener un poisson particulier, mais il y a une énigme. Donc à chaque fois il y a des trucs différents. Revenez nager ici aux côtés d'une créature vivant dans ces parages. Juste vivant dans ces parages. Ça va, ils sont sympas. Hein. Ça a marché ou pas? Ça a pas l'air. Demoiselle. Vraiment. Ah, lequel c'est, on va prendre. Ah, objectif. J'ai fait un objectif sans faire exprès. Une sorte de succès à faire interne au jeu. On va pas trop, hein. Ah, peut-être que c'est parage, c'est la case 6 et pas la case 5. Peut-être. On va voir. Je sais. Alors ça affiche un truc, mais là rien. Est-ce que je peux revenir nager avec ça? Ouais, peut pas. Hein. À mon avis, il y a les baleines, ça m'étonnerait qu'elles puissent. Dans ces parages. Pastenag plume. Ah, c'est pas ça.
Je sais pas trop ce que je peux emmener. Hein. On avait déjà fait. J'ai vraiment pas d'idée. Hein. Là, j'avoue que dans ces parages... Les parages de la Kelkaz à Cassis. Attends, c'est simple dans les parages, mais... Ça fait que la... les seules créatures... On pouvait pas faire. Chirurgien. Quand même aberrant. J'arrive pas à trouver. Alors j'ai déjà fait mais je vois pas. Une créature vivant dans ces parages. Ah bonne nuit Némésis, je pensais que tu t'étais déjà endormi tu vois parce que comme t'étais fatigué. Bonne nuit à toi. Bonne année, puis encore merci pour ton raid. Hein. Un grand, grand merci. Bon, moi, j'arrive pas à le faire. Hein. J'ai pas trop d'idées. Hein. Parce qu'il y a tellement de créatures qui nagent dans le coin... C'est bizarre. En fait, il en veut une précise alors que... Alors que bah c'est juste une créature du coin, donc c'est bizarre. Et pour moi, ça aurait pu être elle, elle est juste à côté, mais... Vraiment, je vois pas. Coucou Julien! Moi ça va, coucou Emma, coucou Zéou! Mais ouais. En plus, je peux pas me mettre de marqueur ici. C'est ce que je vais faire, je vais mettre un marqueur. Alors. Non. Sur un poisson. Alors, on peut mettre des marqueurs. Bon, j'en ai débloqué avec le multi. Vous n'avez pas autant de base. En fait, pour débloquer, c'est le multi. En multi, vous allez réussir à en débloquer, mais sans le multi, c'est compliqué. C'est pour signaler aux autres joueurs qu'il y a quelque chose à trouver ici, quelque chose de rare. Bon, là, je vais le me mettre. C'est juste pour me dire bah, de revenir. Parce qu'en solo, ça sert à rien. C'est vraiment pour le multi, mais... C'est juste pour me dire, bah ici, d'un côté, il y a un truc que t'as pas réussi, on reviendra à la fin. Bah moi, super bien, ce jeu, il me fait toujours du bien. C'est le jeu où tu, où tu te sens bien.
c'est un truc de fou. T'as des jeux comme ça, c'est encore mieux que... C'est pas... C'est encore mieux que la boue. Des jeux de la douceur. On va faire 6 en même temps parce qu'on a fait les grosses zones tout à l'heure, donc... On va faire le 6 en même temps. On a découvert plein de poissons. Ça a l'air surtout des poissons d'aquarium et de pêche. Dont les arapaima, pas mal de poissons chats. Scus et compagnie. Les saumons aussi, pas mal. C'est vrai que là on n'est pas guidé, c'est juste un poisson dans les parages. D'habitude c'est des poissons qui empoisonnent. Enfin t'as des défis un peu comme ça. Plus lesquels on avait eu. Donc ça fait bizarre d'avoir un défi si large et en même temps ça veut pas prendre avec ce qu'on lui ramène. Taille. Cette zone elle est vraiment faite bizarrement donc c'est compliqué de faire toutes les cases. Taimen. Ce grand salmonidé, dont la taille est similaire à celle du huchon japonais, est très apprécié des pêcheurs sportifs. Prédateur vorace, il se nourrit non seulement d'autres poissons, mais aussi de reptiles, d'oiseaux et de petits mammifères, s'il s'aventure dans les cours d'eau où il évolue. En période de frais, le corps du mâle prend une couleur rougeâtre. Poisson globe géant, vert. La livrée de ce poisson globe d'eau douce se distingue par son motif très particulier. Ses fines arabesques dessinent un camouflage parfait pour cet habitant des zones d'eau douce riches en algues, et ses couleurs, qui évoquent la mousse et le lichen, l'aident certainement à passer inaperçu lorsqu'il se cache de ses prédateurs dans l'ombre des rochers. Nouvelle taille de saumon rouge. Est-ce qu'on va pouvoir remonter ici? Pas trop sûr, hein. Mais bon, on va essayer.
un nouveau. Un Ichthyostega. Ça doit être un truc de la préhistoire, ça. Ichthyostega. Cet amphibien vivait à la fin du Dévonien, en même temps que l'Acanthostega. On estime qu'il mesurait entre 1 et 1,5 mètre de long. Grâce à sa cage thoracique bien développée, il pouvait sans doute quitter l'eau et s'aventurer sur la terre ferme sans que cela ne compresse ses organes internes. Carnivore, il était doté de petites dents pointues. On suppose qu'il faisait des allers-retours entre la terre et l'eau, mais qu'il était moins adroit sur terre que les amphibiens actuels. C'est fou quand même, comment ils peuvent deviner ce genre de truc, quoi. Bon, après, ils supposent des choses, hein. Ils disent bien, on suppose, mais il y a des trucs quand même, ils sont sûrs. Comment est-ce qu'ils ont trouvé pour... avoir de telles... C'est un cul-de-sac, ok. Trésor là. Et déjà. Ah voilà, tu voulais du piranha. Ah t'as du piranha, Ayos. À ventre rouge, celui-là. Omnivore, ce petit poisson vorace se nourrit d'autres poissons, mais aussi d'insectes, de crustacés, d'oiseaux et même d'algues et de fruits. Il est d'un naturel plutôt peureux, mais attaque en banc quand il perçoit l'odeur du sang. Ses dents acérées peuvent venir à bout des viandes les plus coriaces. Je connaissais pas le à ventre rouge. Mais d'ailleurs, plein d'espèces de piranhas quand même différents. Il est beau, hein. Moi, je les trouve vraiment beaux, les piranhas. Vraiment. Toute beauté. Et Rekana ? T'as réussi à te réveiller ? Oh ! Il est tout seul et on l'a pas. On le connaît pas. Bichir du Nil. Bichir du Nil. On estime que ce poisson existe depuis le Dévonien, il y a environ 400 millions d'années, et qu'il n'a pratiquement pas changé physiquement depuis cette période, ce qui en fait une sorte de fossile vivant. Pour ne rien gâcher, les nombreuses nageoires dorsales effilées qui se dressent sur son dos lui donnent des airs de dinosaure. Ah, je dors pas depuis tout à l'heure. Et merde. Ça vibre. Il y a une quête dans le coin. On a fini l'autre quête, il y en a une nouvelle qui a pop. Ah. J'en avais loupé un. Ça en avait déjà été. Était sur... Non, en ce moment il va plus sur vous, il est sur Ghost of Tsushima à fond. Il arrive pas à être sur deux jeux en même temps qu'Anna, je crois. Et si c'est... ça pue de piranha. Le taille minimale. J'osais pas le dire, Apple, mais maintenant que tu le dis... maintenant que t'en fais part... C'est vrai qu'il y a peut-être une cause à effet. Et là ou pas? Il y en a un qui... ça vibre, il y a une quête dans le coin.
Ah, c'est lui. Le QG a détecté de nouveaux signaux biométriques inhabituels. Essayez de déterminer sa position en trouvant et en scannant les créatures cibles. Les signaux biométriques émis par ces spécimens sont très éloignés des relevés standards de leur espèce. Bah toi, tu le dis haut et fort, Elios. Trouver les CMI, mais le phénomène est intéressant en soi et ces créatures mériteraient d'être étudiées de plus près. On n'a pas besoin de te le dire. On n'a pas besoin de te le dire, tu le dis tout le temps toi-même. Donc bon. Pas de soucis du coup. Oh, stylé. Flippant mais stylé. Koulazoukus. Cet amphibien d'eau douce, reconnaissable à sa grosse tête en forme de bêche, vivait au Crétacé. D'aspect général plutôt plat, il pouvait mesurer jusqu'à 5 mètres de long, mais ne dépassait pas 30 cm de haut. On suppose qu'il se nourrissait de poissons, de crustacés et même de petits dinosaures, qu'il engloutissait avec sa grande bouche. Il bouffait d'autres dinosaures. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Fallait pas l'emmerder, lui. J'ai même mis un niveau de plus. Nouvelle taille. Bon, à la base, je voulais juste remonter, mais je me suis retrouvé encore perdu. Ah, tiens, je sors de balise. Ah oui, je vais pas les avoir. Je vais vous laisser, moi, je dois me lever. Bah, t'es levé, là. Ah, j'ai compris, tu vas aller dodo pour te lever plus tard. Foutaise de merde. Comment ça tu vas dormir? C'est inadmissible quand même. Comment ça les gens ils font dodo? Faites pas d'effort. Bah, bonne nuit à Julien. Bonne nuit à toi. Repose-toi bien, fais de beaux rêves, j'espère que Morphée sera sympa avec toi. Ah, je l'ai pas vu. Oh, un rare. C'est une raie de Léopold mais en rose. Raie de Léopold, rose. Cette raie se distingue par son extraordinaire motif de poids blanc sur fond rose. Il semblerait que cette particularité soit due à une mutation génétique, donnant une teinte rose à toutes les parties de la raie, habituellement noire. La robe insolite de l'espèce originale lui valant déjà une grande popularité, cette variété particulière fera certainement sensation. Où tu nous parlais en étant endormi. C'est donc ça... C'était donc ça... Il est trop fort. Oh putain! J'ai la quiquette qui s'est mise partout là. Et il y en a qui est là. Bonne journée Julien. Et coucou Ashnex, coucou Fulup, j'espère que vous allez bien.
Et courage pour votre journée, hein, s'il y en a qui bossent aujourd'hui. Un de plus. Je vais faire le contour, comme ça c'est fait ici. Plus simple à voir à... pour la suite. Voilà. En fait, je faisais cette case et je suis rentrée dans ce trou. Et j'ai fini par faire tout, tout en sous-sol, et c'est ça qui a fait, qui m'a conduit à, on se perd, etc, etc. J'essaie de faire case par case, hein. Mais là, il y a tout un truc où, en fait, tout ce qui est jaune, tout ce qui est, c'est de la terre ferme, mais en fait, c'est que vous pouvez pas aller au-dessus. Donc, pour faire le 100% de la carte, c'est compliqué. À 64% de la carte. Alors j'espère qu'il n'est pas compté dans le pourcentage, sinon je pense qu'on peut pas faire le 100%. Il va falloir que je fasse les ronds là-haut. Ouais, wow, je les ferai quand on redescendra. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une énigme qu'on n'a pas réussi à faire. Il faut que je passe par ici, par la case. Ok. Et ouais, on a découvert plein de nouveaux poissons tout à l'heure en étant dans cette zone-là. Alors, le problème, c'est les profondeurs. C'est qu'il peut y avoir des poissons en haut et en bas. On va essayer de faire d'abord le bas. Anna, il est malade. Alors, on a découvert le poisson de l'amour. C'était quoi le nom, le début du nom? Pareil, il y a les trésors aussi. Alors c'est vraiment chaud parce que là, autant quand vous êtes en haut, vous voyez bien les poissons, autant ici, bah c'est vraiment sombre. C'est vraiment compliqué. Hein. C'est pour ça que je disais, pour ceux qui ont la thalassophobie, c'est ces endroits-là. Je sais pas si c'est compliqué pour les gens qui ont la thalassophobie. Comme je ne l'ai pas, je sais pas. Il y a du poisson. Non, pas de nouvelle taille. Mmh.
Elles sont belles, les demoiselles. Demoiselles de Stark. Aussi. Ce poisson est reconnaissable à sa coloration bleu foncé et à la bande jaune naissant à l'extrémité de sa bouche qui court tout le long de son dos. Toutes les variétés. Contrairement aux autres demoiselles, il vit dans les récifs coralliens d'eau profonde. Très méfiant, il s'abrite dans les rochers à la moindre menace. Arthur a identifié 85%. Il manque quand même pas mal de crustacés, alors j'essaie de voir en même temps. Gwenda! Merci pour ton ninja ce matin. Mouchava? En week-end repos ou pas? T'as des horaires de fou. Hein, tu bosses? Ah, t'as dit que t'étais pas dispo, ouais. Ah, tu bosses aujourd'hui. Dans l'universitaire, on l'avait pas. C'est chaud hein, de pas en louper. Ils se mettent un peu partout. Delta minimal et maximal, ouais. Ouais, pareil. Bah c'est gentil en tout cas, merci. Parce qu'il y a l'air du monde aujourd'hui. Ah, demain c'est la fête des mères. C'est l'air du monde. D'ailleurs, faut pas que j'oublie demain. J'imagine que les... Ouais. Je sais qu'en plus, il n'y a pas que les enfants. Enfin, je sais que mon père, même pour la fête des mères, il offre toujours... Enfin, pas toujours, mais souvent, il va toujours prendre un bouquet à ma mère. Ça lui donne une excuse. Oh Stéphane, coucou les arrivants. clients contre... C'est combien on va dire une journée classique, c'est combien? Que c'est difficile à... Ça dépend ce que t'as d'habitude, tu vois. Si d'habitude t'en as 300 ou si d'habitude t'en as 100, quoi. Et 1000 demain. Putain. Là, ouais, je vois la différence. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. Ouais, je sais pas s'il fait ça tous les ans, mais j'ai déjà vu. C'est ça. Oh, celui-là on l'a pas. C'est quoi comme... C'est un ton ou pas? Sérieux, j'arrive pas à voir. Il ressemble à un ton, hein, j'ai l'impression. Céréole limon. Ce poisson ressemble fortement à la céréole couronnée, mais s'en distingue par sa nageoire dorsale plus allongée, à l'extrémité pointue, et l'absence de blanc sur la partie inférieure de sa nageoire caudale. Carnivore, il se nourrit de petits poissons et de crustacés. La céréole se frotte parfois contre les requins et autres gros poissons, afin de se débarrasser des parasites accrochés à son corps. 80 et 130, non, allons. Ah ouais, donc déjà aujourd'hui, grosse journée, quoi. Et demain, ça t'achève, quoi. Bon, après, j'imagine que les gens, ils ont surtout réservé, c'est plus... faire les bouquets et puis passer en caisse. On aura toujours des gens qui sont en mode... j'ai pas prévu qu'il y ait autant de monde, en mode... perdu, mais... j'imagine. Genre qu'il avait oublié que c'était la fête des mères et qu'il venait pour une toute autre raison. Ah bah ouais, t'as des journées comme ça. Elios ou...
Cette année, je fais pas cadeau pour fête des mères, fête des pères, mais un plus gros cadeau d'anniversaire. Là, faut que je prenne le diamond painting pour l'anniversaire de ma mère. Bientôt, on va faire du diamond painting à nouveau, mettre Chocobo. J'ai repéré un modèle qui devrait plaire à ma mère, parce qu'elle est fan de moulins avant. Trouver un qui est très joli. Ouais, il y en a peu qui passent des commandes. Ils se disent que pas beaucoup de gens font ça pour la fête des mères, peut-être. C'est vrai que souvent, bah, les gens ils achètent des tasses ou des trucs. Ah, c'est vrai que j'ai pas d'idée cette année. Hein. J'ai déjà fait la tasse, j'ai déjà fait les photos de famille, j'ai déjà fait. j'ai fait trop de trucs. J'ai pas d'idée cette année. Être sportif, ah bah tu m'étonnes. Yo twist. Il faut pas oublier demain les chocobos. Ah, c'est pour ceux qui sont pas belges. en Belgique, c'était la semaine dernière, je crois, il y a 2 semaines. Par contre, c'est ça qu'on était on était étonnés, parce que Américains et Belgique, la fête des mères, c'est une semaine ou 2 semaines avant nous. Mais la fête des pères, c'est le même jour. Bon, après, nous, elle peut bouger à cause d'un jour férié, elle peut être repoussée. Certaines années. Mais c'est vrai que c'était assez étonnant que par contre la fête des pères c'est le même jour. Bon après quand t'as pas d'idée c'est pas grave. Au moins ils pourront au moins appeler tu vois. Quand tu peux, hélas tout le monde n'a pas cette chance. Aux quatre coins du monde vinrent s'établir des civilisations aux ambitions démesurées qui voulaient s'octroyer des terres, se jeter l'une contre l'autre. Ok. Ah, celui-là, on l'avait pas. On l'avait jamais lu. Ça va faire toute une histoire, on relira tout à la fin. Mais il y a 99 mystères comme ça à trouver. Sous différentes formes. Dont bah, le truc qu'on n'a pas réussi à faire tout à l'heure, c'est un mystère, donc c'est pour ça que j'aimerais bien le faire. Ouais, c'est à cause de la... Voilà, c'est en fonction de la Pentecôte. Si elle tombe... Elle peut pas tomber le même jour que la fête des mères. Si elle a la Pentecôte, la fête des mères, elle est repoussée d'une semaine. Ça va pas arriver souvent, je pense. J'avais lu, mais je me souviens plus c'était quelle fête. Il y a tellement de jours fériés que... Sur le mois de mai, c'est l'enfer. C'est vrai que j'ai jamais aimé. On va dire que c'est bien si tu travailles dans des domaines où c'est sympa les jours fériés, mais. Dans le commerce et en tant que streameuse, c'est pas. C'est un peu les pires jours. Ah! Oh! Nouvelle taille maximale. C'est pas mal. Parce qu'on va faire le 100% aujourd'hui, hein? Enfin, 200% de la carte, pas du jeu. Vous emballez pas. Ça va, t'en as pour ton argent. Le jeu... De toute façon, le seul jeu du mois où... il est cher pour la durée, c'est celui qu'on va finir demain, c'est Hellblade 2. Après, bon, niveau émotion, sur Hellblade 2... T'en as pour ton argent par contre. C'est le jeu où... Ok, il est cher pour la durée, mais tu regrettes pas. Si t'as aimé le 1, t'es sûr d'aimer le 2.
Tu vas préférer l'un ou l'autre par rapport à l'histoire, bien évidemment. Mais c'est vrai que... Surprise sur la durée des jeux, hein. Même Whisker Waters, je pensais pas qu'il serait si long. C'est une zone tranquille. Il y a des zones où il y a plein de poissons et d'autres plus tranquilles, mais bon, c'est logique. Et bon, peut-être qu'en hauteur, mais pas l'impression. On a tous les trucs à scanner. J'en ai combien? Ah, elles sont toutes là-haut! Ah, les 9 sont là-haut. On va peut-être y aller les faire après. Alors, du coup. Ah, un nouveau poisson! Maquereau des Indes. Maquereau des Indes. Ce maquereau nage la bouche grande ouverte, aspirant l'eau de mer et filtrant le plancton dont il se nourrit. Il peut effectuer ce filtrage grâce à une structure spéciale de ses branchies, prenant la forme d'un râteau. Il se déplace souvent en immense banc près de la surface. Hier, j'étais pas dans la transformation en Schtroumpf à cause de la rose bleue. Oh, t'as fait des roses bleues? Oh, j'adore les roses bleues. C'est chiant à faire. C'est vraiment chiant. Comment vous faites en fait? Je me suis toujours posé la question. Oh, mais comment? Ah, tu veux savoir le secret de la rose bleue? Coucou Resward! Bon week-end à toi aussi. Plouf! J'adore. J'adore Resward, à chaque fois qu'il arrive, il a toujours une phrase en lien avec le jeu, j'adore. Moi aussi. Tout le monde veut savoir. On kiffe tous la rose bleue. Ah, vous achetez déjà teinté. Ah merde. On saura pas du coup. J'imagine que si t'achètes du colorant alimentaire bleu, ça suffit pas. Je pense pas que ça soit comme ça. Avec... Ah, bombé, genre les bombes de peinture, moi, je... Ah, la technique dans l'eau, je trouve ça plus... Ça doit moins être agressif pour la fleur, non? Mais c'est peut-être plus long. Donc, juste aller poser dedans, ça se fait tout seul. Une. Et des bombes faites exprès. Ah ouais. Elle coûte beaucoup plus cher ou pas les bleus? Comme tu fais un procédé en plus dessus, j'imagine que le prix est plus élevé. Comme j'ai appris récemment que les pâtes. Cuisent en moins de temps, comme il y a un processus en plus, et souvent elles sont plus chères. Ah.
a vibré d'un coup. C'est lui. Orange, c'est l'arrosage au colorant chez moi. Le prix dépend de la bourse en Hollande. Ah, parce que vous le faites importer d'Hollande. C'est vrai que quand je suis allée qu'une fois en Hollande et on a été au musée de la tulipe. Alors c'est pas un musée fermé, hein, c'est que t'es dehors avec des fleurs. Hein. C'était magnifique. C'est vrai que là-bas, au niveau fleurs... c'est sympa comme pays pour les fleurs. Un autre de plus. Ou à moins que vous prenez à Rungis, c'est de Rungis, ça vient d'Hollande. J'appelle, GG Zelkir, GG Sevenor et GG Chabreur un niveau de plus. En direct Hollande. Et Espagne. Espagne, ils ont un Rungis, une sorte de Rungis aussi, ça doit sûrement venir de là. J'avais pas pu le visiter, hélas. Avec mon école de commerce, on avait été en Espagne, on devait le visiter, mais il y avait eu un truc. Ça fait qu'on n'a pas pu. Je pense que t'as pas marre aussi là-bas. Elles en font du chemin. C'est fou quand même qu'elles tiennent autant le trajet. Hein. Coucou toi, t'es trop belle. Ah, t'es trop beau, c'est un requin. Bah. C'est où? Il m'en manque plus qu'un, on va voir la cinématique. Alors je me demande c'est quoi comme événement. Alors ils reviennent les événements, mais certains j'ai pas pu les finir parce que comme on les a vus en multi, les gens se sont jetés dessus et puis après bah, ça nous a fait quitter la carte. Donc... Moi j'ai vu la cinématique du début mais pas la fin. Tu fais importer d'où tes fleurs, Kana? Rungis, ouais. Ils ont du choix, Rungis. Hein. C'est immense. C'est une ville, de toute façon. Rungis, c'est une ville. Toutes les créatures cibles ont été scannées. Cette mission est terminée. Beau travail. C'est la ville des professionnels, mais c'est une ville. Quand même qu'il y a... Je crois même qu'il y a un salon de coiffure et tout. Hein. Nous avons détecté des signaux biométriques correspondant à ceux de Simurgh Daria. Voici des images prises par un drone situé dans la zone. Franchement, si y a grève à Rungis, c'est le bordel. Hein. Ah bah non, c'est le même qu'on a eu juste avant. Il s'agit d'un groupe d'oiseaux. Ils sont vraisemblablement... On l'a eu tout à l'heure, il y a 2-3 heures. C'est impressionnant de les voir plonger dans l'eau. Il y a le gros pélican là, voilà. Voilà Simurgh Daria. Décidément, sa taille est impressionnante. Je ne savais pas qu'il existait des oiseaux aussi grands. Par contre, elle a dit son nom parce qu'on a déjà fait la quête. Il doit être doté d'une capacité pulmonaire exceptionnelle pour être capable de nager comme ça. Essayez de le scanner pour pouvoir envoyer des données supplémentaires au QG. Où il a paru où? Ah, il est tout là-bas. Après, on l'a déjà, hein. Okay.
Alors. Il y a toujours le truc là-bas. On a tout en bas à finir. On va voir si on peut faire... si on peut... On peut avancer sur l'histoire. Je pense pas. Non, on a 7000 points. Il nous faut 8000 pour avancer sur l'histoire. Ah, demain tu y vas, ouais. Mais non, aujourd'hui il peut pas. Il doit jouer à Bunny Game avec nous. Il peut pas. Et ouais, il nous faut 8000. Enfin, un mystère en plus. Même pas, si, on en a fait un. Vous voyez, ça fait une histoire, alors... Ok. Ah si, là, il y a une histoire. Pas tous. Ah, en espérant que Sun soit réveillé, hein. 87%, 72%. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Après, si jamais on n'est pas 4, bah. Hein. J'irai sur le jeu du chat. Bah ouais, t'as pas pu faire encore un seul bunny game avec nous, Enda. Ouais, ouais, on sait. On a compris que tu voulais pas jouer avec nous. À chaque fois, tu fais exprès, on sait ça. Je vais me faire fouetter. Ah ouais, ça serait cool qu'on soit plus de chocobo. Hein. Je rappelle, les chocobo, il est pas cher, un hein, bunny game. Il est en early. Il a moins de... à moins de 10, voire moins de 5 euros. Je sais pas, il a combien actuellement. Ouais, bon, il y avait une petite promo de sortie au début aussi. Il y a 5 balles. Il est vraiment rigolo. C'est tout mignon. Donc si vous avez les enfants derrière, ça va, y a pas de risque. Après, il n'y en aura pas la semaine prochaine, je le rappelle. Il y a la nouvelle saison de Skull. First Descendant, il est bientôt prêt. Hein. Il y aura bientôt du First Descendant sur la chaîne. Aussi. Et du coup, la semaine prochaine, le samedi, ça sera journée sous-marin. Il y aura ce jeu, il y aura le jeu du crabe et il y aura Skull. Ça sera mer, ça sera océan. Aujourd'hui, Enda? Attends, t'es pas noté, t'es noté? Comment ça, t'es pas noté? Comment ça, t'es pas noté sur mon truc? De quoi rage qui? Sur Discord, non, il n'y a pas eu de message du bot. C'est aujourd'hui. Ah, mais elle nous dit pas tout. Mais regardez-la, elle nous dit pas tout. Tout ça pour éviter d'avoir sa musique, là. Tu vas y passer, hein, comme tout le monde, hein. Non, mais oh. Encore une année passée, encore une bougie de souffler, encore une année passée. Je
Non mais oh. On est le combien? Le 25. Moi je te rajoute à mon Google Doc. Voilà. Parce que là j'ai rien avant le 1er juin où c'est Martin. Elle nous dit pas tout. Bah j'avoue, travailler jour son anniversaire, mais quelle idée. J'avoue que quand j'étais en colère, c'était le jour où j'étais jamais là. Je prenais toujours ma journée. Si on me donnait pas ma journée, j'étais quand même pas là. Je crois de ma vie, à part en stream c'est avec vous, c'est pas pareil. Je fête avec vous. J'ai jamais bossé le jour de mon anniversaire. Oh, objectif. Œuvre d'art en hologramme. J'ai fait un... débloqué un titre. Titre de chasseuse de trésors. Ton âme, il a oublié? Ou il n'est pas encore levé, peut-être? Lisa. Tu bosses ce jour ton arrive. Moi j'avoue que c'est... J'ai toujours dit oui au jour férié, au week-end, au dimanche, au truc. Mais alors le jour de mon anniversaire, ça a toujours été sacré. Bon, ma fête, c'est un jour férié de base, donc ça va. Moi j'ai eu feu d'artifice pour la sainte Camille, donc ça va. Alex, il est né le 15 août. Lui aussi ça va, c'est tranquille. Oh, on l'a pas lui. En plus c'est un mystère. C'est un mystère lui. Spectre. Ah, c'est un qui existe pas, c'est un qui est créé pour le jeu. Spectre. On raconte wow. Que cette Raymanta violette errait jadis à l'intérieur d'un château inhabité. Certains affirment que l'esprit du seigneur des lieux aurait pris cette forme avant de sombrer dans la mer. Ce mystérieux spécimen ne semble pas être à la recherche d'une proie, mais plutôt errer sans but. Difficile en le voyant bon. De démêler la légende. Bon, il n'existe pas, voilà, c'est un truc lié au jeu. Ouais, c'est sûr que avec ton métier, c'est un peu compliqué, ouais. Ah, ça dépend du nombre d'employés. S'il y a pas mal d'employés, ça va, mais... Après, en plus, elle est en CDD. T'es en CDD, là, Enda. Donc c'est encore plus difficile. Pas longtemps qu'elle a commencé, si je dis pas de bêtises. Bonjour, ça fait une semaine que je suis là. Est-ce que je peux prendre une journée pour mon anniversaire, s'il vous plaît? Bon, moi je serais capable de le demander, mais... Ouais, on a terrible, ouais, c'est compliqué. Hein. Ça dépend du patron. Canet, en fait, les employés, ils bossent jamais. Il les met toujours en vacances. Il est vraiment beau. C'est bien, t'as un bon patron. Après, théoriquement, si tes employés se sentent bien, ils travaillent mieux. Bon, t'en as que tu vas leur donner la main, ils vont te bouffer le bras. Mais heureusement, tout le monde n'est pas comme ça.
Ah, les raies, ouais, trop belle, hein. Aujourd'hui, on est 7, ouais, bah, il y a tout le monde. Demain, vous allez être 10 ou 7 aussi. Seulement, aïe aïe. Donc ça va être surtout demain. À moins qu'il y ait des trucs que vous préparez d'avance pour demain. Je sais pas combien de temps à l'avance vous pouvez préparer. Niveau fraîcheur, c'est ça aussi quoi. Vous pouvez pas préparer tout à l'avance parce qu'il faut la fraîcheur des fleurs. On va préparer tout quand même en avance. Il faut de la place aussi. Hein. Pour mettre les seaux d'eau et tout, enfin, là, vous mettez vos fleurs. Ça prend de la place. Je dois décoller à plus tard peut-être. Hein. Peut-être. Bon, je pense pas, tu dois avoir une grosse journée, mais. Courage! Et si ton homme oublie ton anniversaire, tu lui mets un coup de boule. Eh vous là, je vous ai pas là. Vous êtes passé entre les mailles du filet, hein. Oh, un nouveau qu'on n'a pas. Poisson globe gris tacheté. Poisson globe gris tacheté. Ce poisson globe est reconnaissable à la couleur verte de sa zone dorsale. Il lui arrive de migrer vers des eaux à très faible salinité, peut-être pour se servir de la pression osmotique induite par la différence de salinité, afin d'éliminer les parasites présents sur son corps. Comme les autres poissons globes, il n'est pas très bon nageur et aime s'enfouir dans le sable. Coucou Nantesylph, coucou Mister Dollar. Dauphin, ouais. Pas de nouvelle taille, petite taille ou grande taille. Nouvelle taille minimale. Oh, deux trésors là. Zut alors! Zut! Trop vite. Non, en vrai ça va vu tout ce que tu vu comment tu y joues. Bah, de toute façon il va nous tenir longtemps le jeu. Même Dragon Dogma 2 il tient bien. Hein. Ça va, Apple, pas trop triste. Kana qui déserte. Déserte vous.
Non, mais je sais. Il fallait jouer le jeu, il fallait dire ah, si il nous a abandonné. Enfin, leur après. Allez faire genre. Trésor. Ah ouais, rattrape-toi, rattrape-toi. Vous avez déjà cela. C'est beau, hein. Yann, mais ça va. On a pu un peu te reposer. T'as pu récupérer tes courses ou pas d'ailleurs après avec toutes ces histoires où ça a été la merde. De toute façon, on a remarqué Kana que t'avais du mal. Ça du coup maintenant on sait. T'es grillé. Puis à moi qui fais 40 jeux en même temps. Bah pourquoi? C'est un truc qui se mange. Pareil, ça fait du bien. Ah, comment tu fais? Moi, je sais pas comment on fait pour en jouer avec un seul. Autant ne pas réussir à jouer à 40 comme moi, je comprends. Mais un seul, je pourrais pas. Je ferai une overdose du jeu. Non mais ils abusent. Ils changent les horaires et en plus tard quoi. Fox premier. Coucou Terry Fedoli, coucou Fighters. Ah, il est 8h. Il y a le bus de 8h. Coucou le bus de 8h. Vous avez bien dormi? Comment ça va, John? Bienvenue. Malade, ah là là. Faut pas être malade le week-end. Enfin, attends le lundi, on vous a dit. Ouais, t'as pas eu de chance, quoi, t'as vraiment eu la poisse. Regardez-moi ce petit requin-marteau. Requin-marteau à licorne. Ce requin tire son nom de sa tête caractéristique. Non, moi j'ai 8 heures. Moi j'ai 8 heures 1.
Ses yeux et ses narines sont exposés dans le passé, aux extrémités de chaque extension, et l'on suppose qu'il jouit d'une vue et d'un odorat très développés. Sa forme particulière, du fait de la grande portance qu'elle lui confère, lui permet par ailleurs de changer brusquement de direction. Le bruit des bulles l'indispose, et il a tendance à ne pas s'approcher des plongeurs. Je peux te dire ton avenir si tu veux à 2 minutes près. Il est classe, lui. Poisson hein. Scorpion. Si les imposantes nageoires dorsales et pectorales de ce poisson lui permettent de se déplacer gracieusement dans l'eau, le venin qu'elles contiennent est extrêmement dangereux, et ce, même si l'on ne fait que les effleurer. La douleur intense que provoquent les piqûres de cette espèce lui vaut d'ailleurs une réputation de terreur des mers. Eh ouais, nous on est des terreurs, les scorpions. Venez vous battre! Si j'avais été un poisson, j'aurais été un poisson scorpion. Arrête de me donner des trucs que je connais déjà. Donne-nous des trésors qu'on connaît pas. Je serais un poisson licorne. Tu veux dire un narval. Hein. Ah non, je crois qu'il existe aussi le poisson licorne. On l'avait vu, je crois. J'ai un doute. Des caca arc-en-ciel. Alors je sais pas si leur caca est arc-en-ciel par contre. Par contre t'as les truites arc-en-ciel hein, sinon. On en a eu une tout à l'heure. D'ailleurs, truite arc-en-ciel, ça a ce nom là, mais c'est des saumons. Et ils deviennent arc-en-ciel pendant la saison des amours, si je me souviens bien. Des poissons qui font des caca arc-en-ciel. Alors là, je te crois pas. Ah là, je vous demande des preuves. Hein. Vous n'allez pas encore me faire gober un truc. Cette fois-ci, je demande des preuves. Ah, voilà, on est d'accord. Parce qu'avec vous, à chaque fois, vous essayez de me faire gober des trucs. J'imagine ça existe vraiment et on le sait pas. On a fait 100%. On a fait 100% de la carte, il nous dit le jeu. Mais non, on n'a pas fait 100% de la carte. Bon, il y a un peu une marge de manœuvre pour le 100% de la carte. Hein. Un peu beaucoup, hein. Bah, je relirai le truc. Oh, Yann, tout à l'heure, fais-moi y penser. Je crois que c'est ce qu'il disait, mais je suis pas sûre. Je confonds peut-être avec un autre. On a tellement écouté. Il y en a un qui s'appelle pas saumon, mais c'est un saumon. Mais c'est peut-être pas celui-là. Je sais plus c'est lequel. Je confonds peut-être avec un autre. On a écouté tellement de trucs tout à l'heure. Requin renard est beau aussi. Requin renard pélagique. Ce requin possède une nageoire caudale dont la moitié supérieure est presque aussi longue que son corps. Il s'en sert pour nager, mais aussi pour chasser. Il a une grande queue celui-là. Après avoir rassemblé des poissons ou des calmars, il les frappe violemment avec sa queue pour les affaiblir, ce qui lui permet ensuite de les attraper plus facilement. Présent, tu te calmes. Il y a peu de chances qu'il s'attaque à un humain si celui-ci ne le provoque pas. Ah bah bravo, vous êtes pire que moi. Hein. Oh, il y a un nouveau là qu'on connaît pas. T'as un ton quoi?
Un nageoire noire. C'est l'une des plus petites espèces de thon, la plupart des spécimens mesurant moins d'un mètre de long. Il a longtemps été identifié à tort comme le juvénile d'une espèce voisine, mais les progrès récents de la recherche ont permis d'établir qu'il s'agit d'une espèce distincte, à la fois du thon rouge de l'Atlantique et du thon rouge du Pacifique. Bienvenue dans le monde de Shaki, c'est-à-dire... J'ai pas tout suivi. Mais la taille minimale. Est-ce qu'il est beau ? Espadon. Ce grand représentant de la famille des marlins s'est adapté à la On sait qu'il peut plonger jusqu'à 600 mètres de profondeur en journée, mais reste près de la surface pendant la nuit. Réputé pour son tempérament agressif, il a été observé en train de charger des baleines, des requins et même des bateaux. On est le chocobo poulet. Pas trop si ça s'entend avec ce jeu. Là, on a la musique de l'événement en fait dans le jeu. C'est le truc orange. Ah si, ça va, ça s'entend. À illustrer quoi là? Par un poulet. Ah, statue de baleine blanche, on l'avait pas. Combien? 93%. Pacifique Nord-Ouest. Ce poisson affectionne les zones marines vaseuses de faible fond, mais il lui arrive de se déplacer vers des eaux plus profondes. Il se distingue des autres anguilles par sa robe brune, ornée de points blancs. Sa larve transparente est appelée leptocéphale. Cigale japonaise, vous avez vu au Japon, il y en a une drôle de cigale. Hein. Oh, je les connais pas. Calicagère grise. Ce poisson de taille moyenne vit en eau peu profonde. Si un pêcheur l'attrape, il risque de le regretter, car ce poisson a tendance à vider ses entrailles de peur lorsqu'il est tiré hors de l'eau. Oh. Certains spécimens présentent sur le corps des points, qui pourraient jouer un rôle de camouflage en rendant le poisson plus difficile à repérer pour les oiseaux. Eh ben, bon appétit, bien sûr.
Ah, pour faire le 100% poisson, c'est chaud comparé à 100% de la carte. D'ailleurs, tout un coin avec plein de poissons que j'ai dû louper. Oh, c'est un nouveau, non? J'ai cru. GG Fastos et Chabreur, un niveau de plus. Bon, on va en finir la carte aujourd'hui, hein, je pense. Après, est-ce qu'on va réussir à faire un chapitre de plus? D'ailleurs, sur une de mes vidéos YouTube, vous savez le truc où j'ai été bloqué, on en a chié. Bah, il y a une personne qui m'a demandé comment je m'étais débloqué, parce que pareil, bloqué comme moi. Et ça, comme quoi, vous voyez, je vous disais, c'est pas. T'avais pas déjà. Si t'avais déjà scanné le poisson pour deviner. Pour le rescanner. Bah, t'y penses pas en fait, hein. Je dis pas, c'est ça qu'il faut pour la quête. Et tu te retrouves bloqué sur un truc tout con. Je suis pas la seule à pas avoir à penser que. Oh, un nouveau requin. Il est pas très beau lui. Hein. Le requin taureau. Requin taureau. Les petits yeux et les dents saillantes de ce grand requin des eaux chaudes lui donnent un air redoutable qui fait recette dans les aquariums. Mais en réalité, il n'est pas particulièrement féroce. Il se nourrit principalement de poissons, de crustacés et de divers céphalopodes, tels que calmars et autres pieuvres. Jamais vu de requin taureau en aquarium. Le 100%. Il y a combien? 94% de poissons. Je pense que ça va être chaud patate pour le 100%. Il n'y a pas de cornes, c'est pas un taureau. Ça faisait un peu comme des cornes, mais c'était des nageoires, quoi. J'espère que j'ai pas loupé de trésor, mais vite, hein, si vous voyez des trucs qui brillent, hein, que je louperai. À chercher les poissons, hein, je peux louper un trésor. Ah, nouvelle taille maximale et minimale. Une entrée à l'intérieur là. ~95%.
96. Quatre-vingt-dix-sept, quatre-vingt-dix-huit. Comment ça va? Ah, dur, dur. T'es en week-end là où tu bosses? Pour te reposer un peu. Alors attends, parce que je vois que dalle là. Ah non, c'est un cul-de-sac. C'est juste une petite grotte fermée. Ok. C'est pour ça que je voyais que dalle. Trésor. Ouh, un mystère en plus. Et toi là, viens là. Poisson qui se barre. Là on a une plaque. Bon, les plaques, on peut retrouver les mêmes, donc c'est un peu chaud. On les passe là. De toute façon, je voulais les relire à la fin quand on les aura toutes, parce que des petits morceaux par-ci par-là, un peu compliqué de suivre l'histoire. Notre premier 100%, ça n'a pas l'air de nous débloquer des choses. De plus. 102%, putain, on peut faire plus que 200%. Par contre, en âge, on peut pas faire plus que 100%. En découverte de la carte. Et en espèce animale. Et ouais. Un petit trésor. Mais au moins on a réussi. On l'avait déjà. Merci Resward. Ah, j'avais peur de pas pouvoir y arriver. Au final, je m'en suis très bien sortie. Il laisse un peu de marche, donc c'est cool. C'est vrai qu'il suffit que t'en loupes un, s'il y en avait pile poil un certain nombre. T'en loupes un, c'est fini, quoi. Bon, après, tu peux quand même louper une espèce que t'as pas découverte. Ça change rien. Oh, Mélissama.
Mais ouais, cool. Après, est-ce que ça va suffire pour débloquer le chapitre suivant? Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Il y en a d'autres qui se sont pris Bunny Game pour jouer avec nous ou pas aujourd'hui? Il y en a qui veulent nous rejoindre. Le plus grand des hasards. C'est là-bas qu'on n'arrivait pas à faire un... On va essayer de retourner vite fait voir, mais... On n'arrive pas à faire ce défi, les chocobos. Est-ce que là, ça va être bon? À moins que je l'ai débloqué, mais que ça m'ait pas dit. Revenez nager ici aux côtés d'une créature vivant dans ces parages, mais... On l'a fait, mais ça... je vois vraiment pas. On est venu avec plein de poissons. Macro des Indes. Il y a peut-être qu'ils veulent un macro. Vraiment, je ne vois pas. On a fait tous les poissons qui étaient dans le coin, mais... Une créature vivant dans ces parages, bon, c'est un peu large. C'est un petit peu large. Il y a un trésor. Un nouveau qu'on n'avait pas. Du coup, bah, il nous reste plus que la zone là à finir, la quête. On est toujours à 102%. La quête secondaire à fignoler, mais c'est la même que tout à l'heure. Hein. On va quand même la refaire parce que ça va donner des points. Faut retrouver l'entrée par contre. Je sais pas où on va passer. On va passer par le tube et là-haut l'entrée. Ça va être plus simple. Je sais pas par où autre part rentrer. Et puis on aura fait une carte à fond. Voilà. Le tube il est là. Wouh. Ensuite, c'était où? Il est où le trou? Il est là. Hop. Et là, c'est parti, mon kiki. Normalement, il devrait être par là. Il est... Il est petit aussi. Je sais pas s'il est petit, on peut les scanner. Il est où le papa? Il est là le papa.
Transmission du QG. Nous avons bien reçu les données additionnelles concernant Simurgh Daria. Merci pour votre travail. Et nos analyses montrent que cette créature effectue des allers-retours fréquents entre le ciel et la mer. Elle semble s'alimenter principalement dans l'eau. Elle récupère aussi une partie de la nourriture trouvée par les oiseaux qui l'accompagnent. Il va sans dire que sa taille exceptionnelle requiert des apports énergétiques considérables. La présence d'une CMI de cette envergure indique d'ailleurs que cette zone est riche en nutriments. Toutes ces informations seront sans doute très utiles au QG. L'étude des CMI de ce genre nous permet de mieux comprendre les écosystèmes dans lesquels elles évoluent. Qui sait ce que nous découvrirons la prochaine fois ? En attendant, merci pour tous vos efforts. Ubelt, Udolsem. Simurgh Daria. Bah en plus aujourd'hui on va peut-être commencer tôt Bunny Game. Donc c'est cool Sun que tu sois déjà là. La session de pêche, c'est... Enfin, pêche. Nage, c'est bien passé, hein. On a bien avancé. Ah, il y a un nouveau là que j'ai pas vu. Vendoise eh ben alors... du Pacifique. Ce poisson est légèrement plus grand que la vendoise japonaise. Et sa livrée nuptiale ne consiste qu'en une seule ligne vermillon, contre trois pour sa cousine. On le trouve dans les zones d'eau douce telles que les rivières, mais aussi en mer. C'est un carnivore qui se nourrit de crustacés et d'insectes. Qui était passé entre les mailles du filet, vous avez vu? Franchement, classe, hein? Classe, 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 notre avancée. Ouais, ça va nickel, hein? Ça va nickel, on a fait un chapitre, enfin 4 points. Oh, je les ai pas ceux-là. Bouvière japonaise. Bouvière japonaise. Elle est rapide. Hein. Ce poisson d'eau douce omnivore, à la taille modeste, se nourrit de petits organismes variés, de type insectes aquatiques et algues. Il pond ses œufs dans des coquillages bivalves, à l'intérieur desquels les alevins passent le premier mois de leur vie après l'éclosion. En raison de la prédation dont il est l'objet, et de la diminution du nombre de coquillages susceptibles d'accueillir ses œufs, il est actuellement menacé d'extinction. Mais ouais, une carte à 100%. Bon, y a pas de titre ou autre par rapport à ça. Mais pas mal. C'est pas mal. Après, je sais pas comment finir la quête là. Je pense qu'il va bientôt partir. Je sais pas trop si je dois attendre qu'il parte. On a tout fini là sur la carte. Après j'ai peut-être loupé un ou deux poissons, il y en a que j'ai retrouvé là à l'instant. C'est pas impossible qu'on en ait loupé d'autres. Je pense qu'on peut, on peut retourner à la surface. Est-ce qu'on peut faire un chapitre de plus? Même pas. Même pas. Oh, c'est dur hein.
c'est... On monte plein de choses, mais... Oh! Par contre, quand tu finis à 100%, tu peux photographier. Ah, c'est beau! Enfin, je crois pas que tu pouvais tout à l'heure. Enfin, je crois pas. Mais là, c'était beau. Au CrazyX! Au Deion! Et ouais, histoire, il nous faut 8000 points, on a 7600. Aïe 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 aïe. Avec que le chapitre 4-1 aujourd'hui, c'est tout. C'est absolument tout. En 4h30. Par contre, on a bien avancé sur les mystères. Hein. Aujourd'hui. Et registre. Vous êtes chaud pour du bunny game, Chocobo? sur 578 de poissons. Ça va, hein? Ah, du coup, on a la remonta géante, on a le spectre. J'adore, c'est l'orque blanche. Vous avez l'orque noire, hein, classique, et vous avez la blanche. Trop belle. J'ai même pas mangé ma saucisse encore. T'as fait une belle de saucisse. Ni pris mon café. Ah, sinon, je lance le jeu du chat, hein, mais si je lance le jeu du chat, je vais avoir du mal à décrocher. Je vous préviens. Je vous préviens. J'arrive pas à faire que 30 minutes. On commencera beaucoup plus tard, Bunny. Alors là, ça va être ceux qui jouent avec moi, Raoul, qui décident. Et après, ils vont s'endormir et il n'y aura pas de jeu du lapin. Parce qu'il y a de l'art, hein, en fin de stream, hein, donc l'art est prioritaire. Jeu du char arc-en-ciel. Char arc-en-ciel. Ah oui, tiens, tu me fais penser au poisson. C'était lequel, hein, putain. Regarde, j'avais raison, Yann. Ce poisson doit son nom aux teintes arc-en-ciel qui sont la robe du mâle en période de frais. Malgré l'appellation de truite, il s'agit d'un salmonidé et son corps subit la smoltification, processus qui permet au poisson d'eau douce de s'adapter à l'eau de mer et donc de migrer des rivières vers l'océan ou l'inverse. À l'instar des autres salmonidés, il arbore au stade juvénile des taches pâles de forme ovale sur les flancs. Non mais c'est pas ça le truc, c'est que je disais que la truite c'est pas une truite. La truite d'arc-en-ciel c'est un saumon. Malgré l'appellation de truite, il s'agit d'un salmonidé. Et son corps subit la smoltification. C'est ça que je disais. Donc j'avais bien retenu la leçon. Voilà. C'est ça le truc. Il est marrant le poisson chat à queue rouge. Et vous voyez, sur chaque poisson, vous avez les tailles maxi et mini. Et il y en a, j'ai or. Et il y en a, il n'y a rien du tout, quoi. Parce qu'il y en a plus ou moins. Et genre, toutes ces lignes-là, toutes ces lignes, on les a trouvées aujourd'hui. Hein. J'avais quasiment rien en poisson chat, saumon, truite et compagnie. Hein. Vous voulez le jeu du chat avant? On est d'accord, Kana, Helios et Sun.
Le requin zèbre albinos, c'est trop. Déjà que le requin zèbre est pas mal, mais alors le albinos. Il manque encore des requins. Il manque 5 requins. Ils sont rangés par famille. Voilà, et le saumon arc-en-ciel, c'est une truite. Alors, est-ce que ça existe, le saumon arc-en-ciel? Autant truite arc-en-ciel, je connaissais déjà. Autant saumon arc-en-ciel, ça me parle pas du tout. Où mes saumons? Là. On a le saumon kokani, rouge, keta... Mazou, Yaman, Royal. C'est le porte-épée. Il est trop rigolo, le porte-épée. Il manque une truite, là. Et est-ce que c'est une truite, une vraie truite, ou comme la truite d'arc-en-ciel? J'ai hâte de trouver les autres piranhas. On a trouvé le piranha ventre rouge. On a trouvé les arapaima aujourd'hui. Celui-là, il est flippant. Celui-là, il est vraiment flippant. Poisson, couteau, clown. Ah oui, poisson, éléphant, on a découvert aujourd'hui. Poisson, papillon aussi. D'ailleurs, pour vos infos, souvent au resto, quand on vous dit saumon fumé, bien souvent, c'est de la truite. Les gens font pas la différence et c'est moins cher. Alors, vu que je déteste ça, je me ferai pas avoir. En vrai, je pense que les gens, tu leur dirais que c'est de la truite fumée, ça irait bien aussi, hein. S'ils aiment ça. C'est peut-être une mi-truite. Mi-truite, mi-sirène. Non, mi-femme, mi-truite. Elle est où notre fausse tortue qu'on a découvert aujourd'hui? Ah, il la met peut-être pas avec les tortues. Avec les poissons de la préhistoire. Ah, elle est là. Regardez-moi ça. Et c'est pas une tortue. Elle appartient à la famille des plésiosaures. Elle est trop mignonne. Eh, hey, coucou Darkness, mais comment ça depuis le temps? Tu viens plus aux soirées? Tu nous aimes plus, ça y est. Ça se passe bien pour toi. Ah oui, non, je sais que c'est commercial, Kana. Surtout sur les pizzas. Pizza saumon. Non, mais rien que dire ça, tu vois... ça mérite un Théo. Pizza saumon. Oh, un ornithorynque! C'est vrai, c'est un ornithorynque tortue. Un tortitorynque! Ça, c'est un ophtalmosaure. Si jamais t'as des soucis de vue, tu vas chercher ton ophtalmosaure et c'est bon. Tu en manges une partie et tu retrouves la vue. Allez, salut! Non mais les noms, des fois je sais même pas pourquoi ça c'est dégueulasse. Je sais même pas pourquoi ils donnent des noms comme ça. À un moment donné, faut arrêter. Et aussi on l'a découvert aujourd'hui, il fait flipper. Bon, ceux en bas c'est des poissons inventés pour l'histoire du jeu, hein. Voilà, c'est... Et on va dire que c'est les poissons légendaires du jeu, mais c'est lié à l'histoire ou au kit secondaire. Il y a celui-là qui est flippant aussi, regardez. Il y en a des bien flippants. Hein. Bon, je montrerai pas les crabes pour Sun, parce qu'on en a vu un hein, aujourd'hui, il était poilu. Et... on a découvert un poilu aujourd'hui. Vampire des abysses, j'adore. J'aime bien la pieuvre d'Ambo aussi. Trop belle. Ça, c'est joli aussi. Il y a vraiment des trucs sympas. En trésor, on a découvert quoi? Faux lingots d'or. Lingots d'alu. Des colliers. Œuvres d'art. Toge universitaire.
Donc en fait, ça, c'est des déchets que les humains font tomber à l'océan. On trouve. En fait, on nettoie aussi l'océan en même temps. Mais bon, il y a des collections. Plus bah, les pièces. Comme la raie, elle est poilue. Bah, ça dépend de la raie de qui. Alors, on va aller sur le jeu du chat. Mais merde. Ça va encore déraper. Ce sera pas ma faute. C'est la faute à Kana. Voilà. J'espère qu'on pourra faire chapitre 4.2 la semaine prochaine. Je sais pas il y a combien de chapitres. Ça va être là. Ce sera la surprise. Ça sera la surprise. Une petite pause, on va aller sur le jeu du chat. Waouh! Essayez de trouver. La dernière fois, on essayait de trouver le ballon. On n'arrivait pas à trouver le ballon. Donc. Retrouver ça. Comment je vais faire? On va couper la switch, je pense. Ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Et petite pause boisson, j'arrive, je vous mets une petite bataille royale. Et on va aller sur le jeu du chat. J'arrive de suite. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, nos signaux. On va enlever. Voilà. J'arrive tout de suite.